I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, cher Wrestle Rockstar, bonsoir. Aujourd'hui, émission spéciale sur les arts martiaux. Je suis Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradaben, et je suis en compagnie de mon ami Jonathan Drapeau. Comment vas-tu, Jo? Hey, ça va super bien. Bien en forme? Ouais, numéro un. Yes, yes, yes. Écoutez, chers auditeurs, aujourd'hui, on a un invité spécial. En direct de Québec, c'est vraiment cool parce qu'elle était aux États-Unis pendant une grande période, puis on a l'opportunité de pouvoir la voir avec nous aujourd'hui. Donc, Jeanne Masson-Wong, comment ça va, Jeanne? Ça va bien, vous autres, les gars? Yes, très bien, merci. Bien. Merci beaucoup, Jade. On sait que tu es très occupé, autant avec le travail qu'avec les combats, l'entraînement. Donc, c'est vraiment super apprécié de prendre quelques minutes avec nous. Donc, c'est vraiment nice. Donc, commençons vivement dans le sujet. En fait, Jeanne, nous, on voulait savoir à quel âge tu as commencé à t'intéresser aux arts martiaux mixtes. Moi, j'avais commencé à faire de la boxe quand j'avais 13 ans. J'avais commencé avec l'entraînement, dans le fond, c'était vraiment pour me mettre en forme. J'ai toujours été une sportive, là. J'ai fait de la gymnastique avant, j'avais fait de la natation, du plongeon, de la danse, j'avais fait plein d'affaires. Puis à 13 ans, c'est ça, j'avais commencé la boxe, puis j'avais vraiment trippé. Okay. Puis je voulais commencer, c'est sûr que c'était juste l'entraînement au début, mais après ça, je m'étais inscrite à 18 ans dans un gym de MMA, puis je voulais faire des combats là, dans ma tête, là, c'était clair. Okay. Fait que c'est ça, genre, en fond, j'ai commencé mon premier combat amateur, je l'avais fait en 2014, c'était en kickboxing. Ok. Fait que dans les arts martiaux que tu as pratiqué, tu en as pratiqué beaucoup, c'est laquelle qui est ta préférée? Dans les arts martiaux? Parce que j'avais commencé par la boxe. La boxe? Ouais. Okay. Puis, c'est sûr que j'aime tout le reste aussi, là. J'aime pas le sol, le jiu-jitsu brésilien, la lutte et tout, mais je trouve que ce qui est plus naturel pour moi, c'est vraiment la boxe, c'est mes points, puis c'est ça, j'aime vraiment ça. Quand tu dis la lutte, c'est-tu la lutte gréco-romaine ou la lutte comme la WWE? Gréco-romaine. Ok, ok. Lutte olympique. Non, c'est bien correct. C'est un bon complément, dans le fond, pour les arts martiaux mixtes. Ça n'a rien à voir avec. Pitcher un corps puis faire le saut de l'angle. C'est ouais, beaucoup de technique, on est vraiment pas là. T'as la bonne utilité, mettons. Là. Non, c'est ça. Se mettre un masque à la tête, ça n'a pas la même utilité. C'est ça. Yes. En fait, on voulait savoir qui t'a inspiré, dans le fond. T'as-tu un idole de jeunesse qui peut-être genre faire en sorte que vraiment, tu t'étais intéressé à ça? Comment ça a fonctionné un peu de ton côté? Pas en commençant, j'avais pas vraiment d'idole, mais c'est sûr que mettons, quand j'ai embarqué dans le MMA, c'était pas mal le temps de Ronda Rousey, fait que. Okay. Ouais. On a rencontré d'ailleurs récemment, nous, le 6 mai, c'était sa première visite en terrain canadien. Le 6 mars, jour. Pas le 6 mai, le 6 mars. Désolé. La place Belle de Laval. La place Belle de Laval, d'ailleurs, elle était là. C'était vraiment nice, honnêtement. Puis, dans le fond, ça a été une personne, je pense que ça a été une des premières qui s'est vraiment distinguée. Tu sais, un petit peu comme Manon Réon, tu sais, dans le fond, quand elle a commencé à faire du gardien de but, ben, c'est comme elle qui s'est le plus distinguée. Ta réponse est comme. C'est pertinent parce que c'est vraiment cette personne-là qui a fait en sorte qu'il ouvre la vision féminine. Elle a ouvert ce sport, puis dans l'UFC, c'est ça, pour la place, la place des femmes dans le sport, dans les MMA. Puis il disait que c'était la plus dominante à ce temps-là, dans ce temps-là
tous les sports, dans le fond. Là. Fait que, elle a montré beaucoup, puis oui, ça a été comme un exemple par rapport à tout ce qu'elle faisait. Là, je pense que ça a été un peu, ça m'a inspiré un peu, là, ce moment-là. Jeanne, tu as travaillé pour l'organisation TKO. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée ton expérience dans cette organisation? C'est super. C'était une belle organisation, super belle organisation, très professionnelle aussi. C'était la plus grosse au Canada, dans le fond. Là. Puis, oui. J'ai vraiment apprécié mon expérience. J'avais fait 4 combats avec eux. C'est ça, c'était toujours, par exemple, c'était toujours au Québec, dans le fond. Je m'étais battue 2 fois au Centre Vidéotron, 1 fois au Centre Bell, puis après ça, je me suis battue 1 autre fois à Gatineau. Je ne sais plus c'est quoi le nom du centre, là, mais c'était une organisation, c'était une grosse organisation quand même, parce qu'elle allait chercher, dans le fond, des adversaires dans d'autres pays. Je me suis battue contre une Allemande, contre une fille de l'île de Malte, contre des Ontariennes, une Ontarienne, puis une Montréalaise, mais tu sais, c'est ça, c'était une grosse... Contre des Québécoises, c'est ça? Une grosse organisation puis qui amenait du calibre, puis c'était vraiment bien fait. Là. Fait que, comment tu fais pour te préparer, dans le fond, à un adversaire qui est en Allemagne que tu ne peux pas vraiment spotter ou déplacer pour aller voir? Tu sais. C'est quoi, dans le fond, ta routine? Tu sais, comment tu fais pour te préparer à ça? Ben, il y a toujours, dans le fond, tu sais, la fille, elle avait comme 5 ou 6 combats déjà. Fait que, on peut trouver ça sur, je peux trouver ça sur Internet, là, dans le fond, là. Fait que la meilleure façon de se préparer à ça, c'est d'aller voir les vidéos de ces autres combats. Okay. C'est sûr que c'est jamais, ça peut jamais être tant représenté. Tu peux toujours avoir des surprises, là. On s'entend de ce qu'on voit d'une fois à l'autre, de chaque combat à chaque combat. Il y a des surprises, mais ça donne quand même un bon global là, de la combattante, du combattant dans le fond. Fait que c'est ça. Puis tu sais, même à ça, oui, on se prépare pour elle, mais il faut quand même être prêt pour peu importe ce qui arrive, là, parce que tout peut arriver. Là. Quel genre de routine tu peux avoir la journée de combat? Dans le fond, la routine, ben, c'est le matin, je vais tout le temps déjeuner d'habitude avec ma famille. OK. Après ben, ça, c'est bien. C'est bien correct. Ouais. Ben oui. Puis, tu sais, j'essaie de pas trop non plus me stresser puis pas trop me projeter dans le. Je vis le moment présent. Tu sais, j'essaie de pas me projeter trop loin parce que là, si tu penses à juste le combat, ben là, tu vas stresser toute la journée, mais il faut que tu saches te détendre. Là, faut que, tu sais, même la nuit avant, il faut que tu dormes bien, il faut que tu aies les idées claires. Oui, c'est un pas, c'est quand même. Tu sais que tu t'en vas te battre là, à la fin de la journée. Là. Fait que, je ne sais pas pour toi, mais j'ai écouté beaucoup d'entrevues de gens dans ton milieu. Puis souvent, ces gens-là n'ont pas peur, mais ils ont une crainte d'aller sur l'arène. Puis s'ils pouvaient faire fast-forward du combat, ils le feraient. Est-ce que c'est ton cas? Ben c'est sûr que tu sais, ça en est tellement stressant que des fois, c'est pas le fun. Tu sais, cette partie-là est pas le fun, mais c'est de repousser les limites. T'sais, pour moi, c'est vraiment comme des défis à chaque fois. Puis genre, je vais être contente après, mais je sais qu'il y a toujours la partie avant que c'est vraiment stressant. Tu sais, il y en a qui sont pas capables puis qui vont vomir en arrière. Puis, mais c'est d'apprendre. Ça s'apprend. Ça apprend. Faut apprendre à gérer les émotions par rapport à ça. Fait que tu finis par t'instaurer comme des... Dans le fond, Jade, au TKO, dans le fond, tu t'es ramassé aux États-Unis avec une gang, la DKSC. Comment ça s'est passé, dans le fond? Comment tu as fait en sorte, du jour au lendemain, de te ramasser là? Tu sais? De switcher de TKO de TKO, c'est ça? Dans le fond, parce que moi, j'ai pas pu me battre à cause de la pandémie pendant 1 an et demi de temps. OK. Après TKO, je me suis battue avec une ligue... dans l'Ouest canadien, c'est BFL. J'ai fait un combat là-bas à Vancouver. Puis après ça, bon, là, la pandémie, elle s'est installée. Puis parce que mon dernier combat en MMA, c'était en février, avant qu'il ferme tout là, en mars 2020. Okay. Puis là, après ça, dans le fond, vu qu'il n'y avait rien qui se passait, les ligues étaient... Il n'y avait plus de ligues ici. TKO, ça a comme arrêté d'exister. Là, j'ai mon agent qui m'a offert d'aller dire « Ah, le BKFC cherche des filles puis tout, est-ce que ça t'intéresserait? »
Mais moi, j'avais déjà commencé à suivre ça parce que je suis quand même ça, là, les filles dans le combat puis tout. Fait que je voyais des filles, mettons, qui avaient traversé du UFC, qui étaient rendues au BKFC. Okay. Il n'y a pas beaucoup de filles là-dedans dans le BKFC puis tout. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont game de faire ça parce que c'est quand même dur pour le corps, mettons. Puis ouais. Là, on se dit, ben, pourquoi pas, là, tu sais. Comment? Vas-y. Continue, il n'y a pas de trouble. Yes. Puis, c'est ça, c'est. Il m'est arrivé avec ça, fait que là, je me suis dit, ben, pourquoi pas, là, tant qu'il n'y a pas me battre, là, moi, je voulais me battre, ça faisait longtemps, mais là, tout ce qu'il y avait, bon, c'était des affaires, il n'y avait pas beaucoup d'offres, puis en plus, tu sais, le monde n'avait pas beaucoup de budget, les ligues, parce que, premièrement, ils ne pouvaient pas avoir de spectateurs, fait que, tu sais, il y avait moins de rentrées et des offres de même, fait que, BKFC, eux, ça, ils m'ont arrivé, puis, tu sais, je lui ai dit, pourquoi pas? Je lui ai dit, mon agent, je vais l'essayer au moins pour dire que je veux faire ça au moins une fois dans ma vie, là, aller me battre à point nu, là. On l'a essayé, là. Fait que c'est comme ça, j'ai switché. Puis dans le fond, le contrat, c'était 5 combats. Fait que j'ai signé pour 5 combats. Fait qu'il me reste encore 3 autres combats avec eux. Mais j'aime vraiment ça. Fait que je pense pas, pour l'instant, je veux rester avec eux. Nous, on a une vague idée, c'est quoi la BKFC? Mais est-ce que tu peux expliquer c'est quoi aux gens qui ne le savent pas? C'est de la boxe à point nu. Oh! Que, dans le fond, ça, c'est, y a pas, c'est vraiment juste les points. Fait qu'il y a pas de coude, il y a pas de coup de pied, il y a pas de corps à corps, rien. Il y a du clinch. Par contre, on peut faire du clinch, on peut agripper en arrière de la tête puis donner des uppercuts, des choses comme ça. Mais on n'a pas le droit de spinning back fist, on a le droit overhook, underhook. Dans le fond, prendre le bas, wow. Garder le bas. Okay. Puis, c'est 5 rounds de 2 minutes. C'est dans un ring qui est rond. Fait que ça, c'est ça. C'est la particulier quand même, c'est arrivé, tu sais, juste avant notre entrevue, on parlait de jeux vidéo, tu sais, puis on se disait, tu sais, ils ont fait des jeux vidéo dans le passé, c'est comme au Super Nintendo, tu sais, où il y avait du Street Fighter, il y avait Street Fighter, tu sais, il n'y avait pas de gants, mais c'est Mortal Kombat. C'est exactement ça, dans le fond. Sauf que tu ne fais personne, là. Ouais, sauf que tu ne tues pas personne. Ouais, c'est Mortal Kombat, les finishers, puis finishers. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, de vraiment rien, là, même pas. T'sais, on a des tapings, mais il ne faut pas qu'on aille. Il faut que ça finisse comme 2 doigts en dessous des jointures. Là. Fait qu'on a des tapings autour du poignet. C'est tout. Wow, là. OK. Ben, c'est pas de péter les poignets. Hein? Faut pas te péter les poignets, dans le fond. Faut pas te péter les poignets, mais ça ne tient pas grand-chose, je te dirais. C'est 3-4 tours de gaz autour du poignet, là, ça ne fera pas grand-chose. Boy, yeah. Ouais, j'imagine. Il va avoir quand même des blessures importantes. Tu sais, je voyais des photos d'une de tes adversaires. Là. Mon Dieu, elle avait l'air d'un film d'horreur. Ça saigne, ça pend, ça casse. Ah, c'est sûr, ça coupe, là. C'est un moins de coups, là. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant parce que ça casse. Ça prend des couilles, là. C'est ça, c'est impressionnant parce que ça fend vite, parce que c'est os à os, fait que, tu sais, les coups, ça arrive vite, mais ça arrête plus vite aussi parce que ça saigne trop. Faire une hémorragie de la face, hein? Ouais, c'est hein? Une hémorragie de la face, hein? En parlant de ça, j'ai fait des petites recherches dans le fond. Je suis un amateur de films d'horreur, tu sais. Puis on voulait savoir, c'est quoi tes films préférés? Quel genre de films préférés? C'est ça? Oui, exactement. J'aime It, ça j'aime ça, là, le film, ça j'aime ça. J'aime ça, c'est ça, j'en écoutais plus avant, là, quand j'étais jeune, j'écoutais juste des films d'horreur, là, mais à un moment donné, je me suis comme fait peur moi-même là, à trop m'écouter, fait que... Fait que, mais oui, j'aime ça. Sinon, c'est quoi les... Je regardais beaucoup, mettons, des affaires plus communes que c'est un tueur en série petite, mais là, à un moment donné, tu tannes parce que c'est tout le temps la même histoire. Fait que là, j'ai plus qu'à faire une histoire. Les classiques, là, les Nightmare on Elm Street, les Friday the 13th, les Texas Massacre, Texas Chainsaw Massacre, ça, c'est un de mes films préférés, ouais. Ouais, c'est vraiment nice. La série de cadavres, celle-là? Oui, ça aussi, j'aimais ça, mais à un moment donné, ça revient. Non, au même. On s'est parlé au même. Ils ont fait 6 films. Le 12e, là, c'est tout partout. C'est ça.
Yes. Et puis, rentrons un peu plus dans le fond, c'est pas un secret pour personne, mais t'as pris la décision d'avoir, dans le fond, un compte OnlyFans. Et puis, on voulait savoir comment tes parents ont pris ça, genre de... Ben, regarde, OnlyFans, tu sais, ça a là où ça a une... Le monde pense que c'est négatif, puis tout, mais en fait, non, mais tu sais, comme la, juste la façon que toi, tu le dis, là, c'est pas une cachette. Ben non, justement, je fais de l'argent avec ça, puis genre, je m'en fous. Je veux que le monde le sache aussi, parce que, Chris, c'est ça qui m'a permis, moi, de partir à Miami tout l'hiver, puis de, d'habiter là. J'ai de l'argent en ligne. Ça me permet de, d'atteindre mes objectifs, d'aller m'entraîner pendant tout, tout l'hiver là-bas, de me focusser sur mes cours. C'est vrai, dans le fond, tu sais. C'est ça. C'est pas une mauvaise chose, puis en même temps... Ben, c'est là, dans le fond, t'as tout à fait raison, parce que en même temps, c'est sécuritaire, t'es chez vous, tu fais pas le cœur. Mais genre, c'est... parce que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu mets, tu sais, moi, je fais pas de pornographie, là. C'est pas ça que je fais, là. C'est je mets des affaires sexy, j'ai des trucs en lingerie, je fais des affaires, je fais de la nudité, mais je fais pas de pornographie. Non, c'est ça. Ouais, il y a une différence, il y en a qui font pas la différence, des fois, là. Il y a une grosse différence. Ben, il y en a... Il y en a plein, toutes les filles. La majorité des filles dans le BKFC, ils en ont tout un. Puis, je suis allée m'abonner pour voir ce qu'ils font. Puis, c'est beaucoup des affaires de. C'est des photos sexy, de lingerie, tu sais. J'en ai déjà plein des photos de même. Pourquoi pas faire de l'argent avec ça? Pourquoi pas? Ça te permet de pas avoir à courir des commanditaires et toute l'énergie. Parce qu'on sait que c'est très, très difficile, surtout. Avec la COVID, puis ça, ça ne doit pas être évident pour les entreprises, etc. Ben, ça t'a permis, comme tu dis, de pouvoir financièrement bien arriver, pour pouvoir passer l'été aux chaud aux États-Unis. Fait que c'est vraiment nice, honnêtement. C'est moi qui décide de ce que tu mets. C'est moi qui décide des prix. C'est s'il y a quelqu'un qui me fait des remarques, qui n'est pas d'accord avec mes affaires, ben je le bloque. Puis genre, c'est tout, là, c'est moi qui gère ça. Fait que ça, c'est tout, pour toute la liberté que ça apporte. Il faudrait être une fille maintenant, là, puis pas le faire. Quand tu peux le faire, je pense que tu passes à côté. C'est tellement facile, puis genre, tout ce que ça apporte, là, c'est vraiment une bonne affaire, là. Vraiment. On aimerait que tu nous parles de ton autre passion, les tatouages. Dans le fond, ta shop de tatouages, on aimerait ça que tu nous en parles un peu. En quelle année tu es partie ça? Moi, je fais, dans le fond, je travaille dans une boutique de tatou perçage. Moi, je fais du perçage corporel. OK. Puis, je travaille avec mon collègue, c'est un tatoueur. Puis, j'ai un autre collègue maintenant qui fait du perçage aussi. C'est dans la boutique au district, c'est à Loretteville, là. C'est la boutique à Joe Meunier. Je sais pas si vous savez qui, là. C'est un gars qui fait. Ouais. Ben, vaguement, là, mais. Il fait en UFC, puis, tu sais. Fait que, genre. Ça fait longtemps qu'on se connaît, puis ça va faire 6 ans là, que je travaille ici. Ah, un petit perçage. Allez les voir, là. Ils sont bons. Mais est-ce que c'est toi la boss? C'est toi la propriétaire, dans le fond? Ben... Non, dans le fond, moi, c'est comme je loue ma chaise. Je travaille en donnant. OK. Ouais. C'est une salade d'expérience, donc... Ouais. Si vous avez besoin là, d'être en sécurité avec une bonne personne, si vous ne vous écoutez pas, vous allez avoir un bon crochet de gauche. Alors, à l'heure de c'est là que ça se passe. C'est ça, exactement. Puis oui, je perds tout, là. Fait que n'importe quoi, je vais le faire. Même avec les points? Comment? Même avec les points? Ben non, c'est pas ça. Bon, on faisait une blague. Les murs n'ont pas de trou. C'est correct. En terminant, qu'est-ce qu'on pourrait, dans le fond, te souhaiter pour les prochaines années, Jeanne? De réussir mes rêves, que je puisse. Je veux m'en aller. Je veux partir, dans le fond, je veux rester à temps plein en Floride. Ça, j'aimerais ça. Je ne sais pas pendant combien de temps, parce que la terre, c'est vraiment grand, puis il y a beaucoup de choses à faire partout. Ouais, vraiment. À court terme, c'est ça que je veux, puis de réussir mes objectifs. Là, le BKFC, j'aimerais ça vraiment que ça m'amène. J'aimerais ça monter là-dedans, puis. Puis c'est ça. C'est vraiment ça, là. Pour là, c'est ça mon objectif, vraiment. Là, puis je me concentre là-dessus. Est-ce que tu as des prochaines dates, des prochaines dates de combat? Est-ce que tu en as? Pas encore, parce que ça dépend, dans le fond, de ce que j'ai beaucoup de trucs à faire ici à Québec. Là, moi, j'ai une maison. Là, dans le fond, je loue déjà le logement d'en bas, mais là, je loue celle-là du haut, parce que moi, je vais partir à temps plein. Je vais garder ma maison.
J'ai une coupe de Renault que je suis en train de faire aussi. Ça va dépendre. De teindre son patio, là. Ouais, je teins mon patio. Ça fait deux semaines, il commence à être plus tout le temps. Fait que là, je vais pas être capable de le finir. Faut que je change mon carton, faut que je le retape. J'ai une couple de trucs à faire. Fait que ça va dépendre de quand j'ai fini tout ça. Puis, mais j'aimerais ça me battre, mettons, à l'automne, fin d'été, automne, le temps de. Tu sais, faut que je fasse ça, faut que je m'en aille en Floride, puis après ça, je fais un bon camp d'entraînement là-bas, puis pour me battre. Fait que, à l'automne, max. Ben, on espère que tes rêves se réalisent, très cher Jeanne. Ben, puis, merci, on te remercie énormément d'avoir pris le temps de faire un entrevue avec nous. Là. C'est très apprécié du fond du cœur. Ça fait plaisir. Jeanne du fond du cœur, merci beaucoup. Alors, c'est ce que ça termine l'émission spéciale du Wrestle Rock Podcast avec l'artiste martial et l'inverseur Jade Masson. Ça fait plaisir, les gars. Merci beaucoup, Jade. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bye bye. Bye. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur Jeanne Masson-Wong. Alors, merci beaucoup, mon bien, d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'est vraiment cool. Ben, ça fait plaisir, Jo. Alors, j'espère que vous avez apprécié, chers Wrestle Rock Stars. On se retrouve éventuellement pour un autre Wrestle Rock podcast, que ce soit un spécial, une entrevue, n'importe quoi. L'action ne manquera pas. Au revoir.